quoi comme tapis? Bah là, je suis en train de jouer avec le tapis de Ziwoo. Super design et tout. Oh là là, le tapis de Ziwoo. C'est donc ça le tapis de Ziwoo? Fight. Vous voulez échanger vos skins? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MALEXCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Regardez ce que j'ai reçu les gars. Petit cadeau del grande Diego Armando Zinedine Ziwoo. C'est le tapis de souris que Ziwoo a créé là. Le Z m'a fait ce cadeau. Non, c'est un tapis de souris, c'est un tapis de souris. Maintenant, on va aller regarder ce que ça vaut en texture, etc., etc., etc. Ok, donc il est emballé dans une feuille de papier. Il joue avec. À Cologne, il joue avec. Ça fait combien de temps qu'il a créé ce tapis, les gars? Je pense que c'est un tapis très récent. Ça vient de sortir, ok. Donc le tapis, il est très joli esthétiquement déjà. Regardez. Vraiment plutôt sympa, coloré et tout. Donc moi j'ai ça comme tapis. Alors déjà en texture, je vous cache pas que je sens une différence. Il est beaucoup moins épais. Ça j'aime un peu moins. Il est moins épais que mon Vaxi. Il y a une petite rêve sympa, regardez, il y a un petit coq. Il y a un petit coq dessus, une petite poule de CS. Il y a bien évidemment, c'est la signature de Ziwoo. C'est le sticker de Ziwoo qu'il y a dessus. Les couleurs en tout cas, moi j'aime bien. Il est cousu, il a les bords cousus. Il a les bords cousus ici là. Je sais pas si on voit bien. Il a les bords cousus. C'est mieux pour la durabilité. Je pense que ça vaut le GSR. Pour moi, c'est l'équivalent du GSR de Zoe. Et du Gigantus de Razer. Combien il vaut? Combien il vaut? Ziwoo tapis de souris. Ziwoo tapis de souris. Combien ça vaut ça? 40 euros. Pour moi, comme j'ai dit, c'est un GSR ou c'est un Gigantus. Ok? C'est ce que j'ai dit. Vous voyez, je vous ai dit, il fait 3 mm. Moi, le mien, il fait 5. Donc, je sens tout de suite l'épaisseur. Il y a une petite marge là. Bah, en fait, je le trouve 10 euros trop cher. Je le trouve 10 euros trop cher parce que le Gigantus et les GSR, etc. Je pense que tu peux les taper dans les 29, 33, 34 euros max. Mais en fait, vu que c'est une édition qui lui appartient avec le design et tout, je peux le valider. Honnêtement, le prix, je le valide dans le sens où en fait, l'équivalent dans une marque grand public pour la même qualité, parce que c'est sûr que c'est les mêmes fabricants. Je pense que tu l'as à 30 balles contre 40. Mais là, au moins, tu l'as à l'effigie de Ziwoo. C'est une collab. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ta signature, c'est le Ziwoo en fait. T'as le Ziwoo édition. Donc moi, ça me pose aucun problème de payer 10 euros plus cher pour la même qualité de produit pour une édition Ziwoo. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je suis pas là à dire c'est cher. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que si un GSR de Zoe, c'est... similaire à quel mousepad? Gigantus V2 de chez Razer. Le GSR de chez Zoe, c'est l'équivalent de ça, je pense. Pour moi, c'est les mêmes. C'est le même fabricant, c'est les mêmes bords cousus, c'est la même épaisseur, le même truc antidérapant derrière, en dessous. Le design, il est top. Franchement, mais au moins, tu vois, t'as le Ziwoo, tu vois, c'est ça le truc en fait. Et comme l'argent lui revient, ou en tout cas, il touche des royalties dessus. Tu te dis que tu soutiens le joueur que tu apprécies et tout. Moi, 40 balles, je trouve que c'est OK. Je trouve que c'est OK. Si vous voulez l'efficacité à payer la même chose pour la même qualité de produit, vous pourrez l'avoir pour 10 euros moins cher si vous le payez dans une marque grand public qui ont des moyens de distribution beaucoup plus gros, qui limitent les coûts. Voilà, ça c'est sûr. Parce que même ça, leur tapis, il doit le coûter plus cher à fabriquer pour Ziwoo que pour Razer ou pour Zoo. Vous vous doutez bien ça. Pour moi, ce tapis, c'est un point positif. Franchement, je le valide. Je le dingue avec Malek, je sors. Mais on va voir. Là, je teste le tapis et on va voir ce que ça donne. En tout cas, moi, j'aime bien. Pour le moment, enfin, le concept et tout, ce qu'ils ont fait, c'est pas un concept révolutionnaire non plus. Mais je trouve que c'est bien. Oh, je meurs. Je suis derrière le mur. Go plant. Les gars, on est d'accord que quand je courais, j'étais là, genre. Et le mec est sorti pour mettre un one-tap, frère. T'as quoi comme tapis? Bah là, je suis en train de jouer avec le tapis de Ziwoo. Le nouveau tapis de Ziwoo, là, je suis en train de le tester. Je l'ai reçu, c'est un cadeau de sa part, de son équipe.
On teste le tapis du Zimou là. Regarde. Un tout nouveau tapis qui vient de sortir, frère. Super design et tout. Cher. Bon, ça les vaut. Ça vaut son prix. Parce que c'est une édition Zimou, attention. Oh là là, le tapis de Zivou. C'est donc ça le tapis de Zivou. Flashing City. Long. One pushing A. Seven. Oh ouais, le violet. Mais pourquoi j'ai pris le mid? City. Ah, City. Donut coming mid. Oh, out. Putain, deux qui sortent de la smoke. Hein. Bon, le tapis du Z, il est cool, hein. Tapis du Z, il est cool. Salut Malek, alors ce tapis. C'est cool. Après, c'est neuf, donc ça glisse un peu trop pour moi, mais... pour moi, c'est du Gigantus, c'est du GSR. J'ai déjà joué pendant vraiment plusieurs années avec. Les vaccins sont un peu plus lents. Donc, celui-là est un peu plus rapide, mais c'est un très très bon tapis. J'aime beaucoup le design. Le prix pour moi est ok.
Le prix pour moi est ok de ouf parce que, comme j'ai dit, c'est à l'effigie de Ziou. Donc en fait, t'es là, tu veux soutenir le gars, il va toucher une commission. C'est plus que raisonnable. 40€, c'est plus que raisonnable pour un tapis de cette gamme-là. La concurrence industrielle, en tout cas, les sort à 30€, 35€. Là, t'es 5-10€ plus cher pour payer, entre guillemets, la signature Ziou, parce qu'il est quand même assez joli et tout. Alors, franchement, je le trouve réussi en termes de couleur, de design et tout. Et chicken et tout, effigie CS, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est bien dans sa personnalité, je trouve, le tapis. Je sais pas comment ils ont réfléchi à le faire, mais peut-être je suis fou, mais j'aime bien là, les petits éclairs jaunes, rouges. Il y a un peu de fantaisie comme ça. Je sais que ça fait partie de sa personnalité. On le connaît introverti et tout. Il est un peu foufou et tout. Moi, j'aime bien. Le petit poulet comme ça de CS, un peu troll. Je le connais. Il aime bien faire des modes fun, jouer avec les potes et tout. Et le connaissant, en tout cas, dans sa personnalité comme ça, je sais que ça lui correspond en fait en termes de design. Et les gens, aujourd'hui, payer 40€ un tapis de souris, je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus déconnant en mode « Ouais, vous êtes des voleurs ou quoi que ce soit. » C'est ok. Ouais, il aurait pu le sortir à 10€ moins cher, je pense. Mais après, ça dépend. Quantité de production, si ça leur permet de sortir ces tarifs-là, les frais d'expédition, combien ça coûte. Parce que je pense qu'il y a des gens, ils sont pas qu'en France pour l'acheter. Hors France, ça doit coûter quand même un peu cher aussi. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est ok tiers, en fait. Voilà. Et en termes de qualité, après, performance pure, c'est pas le meilleur tapis, mais c'est un tapis 8 sur 10, quoi. C'est un tapis haut de gamme, ou le hockey tiers du gamer, en fait. C'est le hockey tiers du gamer, moi je le vois comme ça, moi j'aime bien.